What's up guys, Power Julien RPZ, et on est toujours là pour finir cet Assassin's Creed 2, voilà, en croisade contre Assassin's Creed 2 même, j'ai envie de dire. Donc, là je reprends le lendemain de l'épisode précédent, où je suis peut-être un peu plus réveillé peut-être, ou même pas, hein, parce que je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Mais c'est pas la question, c'est est-ce que je vais réussir à trouver cette solution de merde pour assassiner ce connard. Sans compter que là, pour bien me foutre le seum, je peux me rappeler que je crois que c'est le seul... C'est combien? Je crois que c'est le quatrième que je dois assassiner. Donc il va en rester encore 5. C'est génial. C'est fondamentalement génial, j'adore. Donc là j'ai réussi à m'accrocher. Juste qu'il y a l'autre mec là qui peut me repérer, c'est un peu chiant. Je comprends pas comment tu me vois en fait. Tu sais, ça j'ai pas compris encore. Un jour peut-être je comprendrai, mais là c'est pas le jour visiblement. Donc ce qu'on va faire, tac, si je peux t'éliminer toi ça serait vraiment cool. Oui tu ne vois pas mes mains, hein. t'es juste complètement con donc tu décèdes, voilà comme ça. L'autre archer il me fait un peu, il m'emmerde. Alors comment on va faire là? Il va falloir que je les tue très rapidement ces deux là en même temps. Ouais. Et là ça a tout joué là. Tu le vides. Oui. Ah c'était là, voilà. Putain! Quoi? Mais qu'ai-je fait? Tu as voulu imposer ta foi au peuple. Parfois, il faut dicter au peuple ce qu'il doit penser. Rien de bon n'est sorti de tout cela. Mon cœur est harcelé de doutes. Mais mon esprit reste lucide. Requiescat in pace. Putain mais c'est fou quand même. J'ai réussi à grimper dans le bateau, à réussir la mission du premier coup, à faire des trucs de fou. Moi j'étais ultra excité dans ma tête, mais ça m'a complètement refroidi du fait que il y a la musique, elle a pas changé. J'ai réussi la mission, il n'y a pas eu un ta-da-da-da ou un truc, vous savez. Comme je vous le dis, non c'est genre, regardez là je suis en train de me fighter contre 10 mecs. Il y a toujours la musique, la petite musique de fond. Comme si c'est comme s'il y avait une petite touche de tension sans qu'il se passait réellement quelque chose, vous savez, genre un moment d'hésitation. C'est ce que ça me fait ressentir, cette musique en fond. Mais c'est pourquoi faire ressentir ça alors que putain je me fais attaquer par 20 soldats quoi. Enfin, ils ont aucune maîtrise des OST dans ce jeu, mais quand je dis aucune, c'est vraiment 0000, gros 0 pointé. Hein, un gros zéro pointé. Putain. Limite faudrait recrypter le truc pour refoutre des musiques dans le jeu. Même on fait une sélection de musique comme on veut là. Ah donc là je suis passé incognito avec 3 millions de gardes qui me poursuivent. Je trouve ça très logique aussi. Bravo. On sait quoi, on va les tuer. Genre j'ai réussi à assassiner. Je pensais qu'il allait me repousser mais bon. Allez bon, on va les enchaîner. Je sais que eux je peux les attraper déjà. Alors toi viens là. Ah, il veut plus se battre lui, d'accord. C'est pas si mal, hein. Hop, toi tu dégages. Et tu vas suivre, toi aussi s'il te plaît. Ah non, je suis sur... ouais, donc il m'en reste encore 3 tués de lieutenant. Tiens, il me semblait que j'en avais fait beaucoup moins. Il faut dire, ce jeu... peut-être pas à être vraiment optimiste. Mais c'est qui ces mecs là? C'est des Templiers ceux qui ont le truc au-dessus d'eux là? Parce qu'à chaque fois c'est pas affiché sur la map. C'est ce qu'ils foutent là. Ils sont là pour être là. Ils disent n'approchez pas. Mais je ne sais pas ce qui. Qu'est-ce que c'est. Donc écoute, moi j'approche pas. Hein. Enfin bref. Ah bah. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouvelles armes? Donc déjà réparer ça servira à rien parce que j'ai tout de neuf. Et je pense que ouais, Missaglia c'est les derniers trucs. Hein. Missaglia ça doit être les derniers trucs qu'on peut débloquer sur le jeu. Bah regardez en même temps la barre de vie. Si elle va plus loin, elle va bientôt atteindre les indications de touche quoi. Donc bon. Non, je pense que c'est le maximum. Sauf si on récupère l'armure spéciale d'Altaïr, là, celle qui est stylée en noir là, que je ne récupérerai jamais. Sauf parce qu'on m'a dit que ça serait obligatoire d'aller la récupérer. Je pense pas, franchement, je suis désolé un petit peu pour toi mon abonné, mais franchement je t'ai pas cru, c'est pour ça que je suis pas allé chercher les pages du codex. On verra, hein, au pire si t'avais raison, on le fera, mais. J'avais. Franchement, s'il y avait une chance pour que je n'ai pas récupéré cette page du codex, parce que franchement, ça ferait plus de temps de jeu.
Je l'espère, franchement je l'espère, parce que voilà quoi. Faut avouer que c'est très très relou pour l'instant. Et j'ai pas envie de me casser le cul en plus à aller récupérer des pages de codex. C'est une phase de gameplay tellement inutile où à chaque fois tu dois te faire 3 gardes pour aller récupérer une putain de page de merde. Enfin c'est complètement con. Alors là ils m'attendent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux les tabasser? Alors là, déjà toi tu meurs. Ensuite, bon. Allez, on va devoir se faire encore des gardes. C'est tout à fait génial. Je pense après je vais ouvrir la carte pour savoir c'est quoi l'objectif le plus proche, parce que sinon on s'y retrouvera jamais. J'ai commencé à me diriger sur les 3 en même temps et j'arriverai jamais à aucun. En tout cas j'ai vraiment mais putain d'envie de finir ce jeu, je pense que vous l'avez compris. Il faut qu'il se finisse. Là, mais tous les jours où je tourne un épisode, je me dis, putain, aujourd'hui c'est le bon. Le jeu va se terminer, c'est pas possible. Alors, non, mais je contre quand même. Voilà. Allez, décède. Ah, donc j'arrive à finir 3 soldats, il faut qu'il y en ait 3 à l'autre bout du monde qui me repèrent. Ils sont complètement derrière 3 maisons, mais non, ils me repèrent quand même. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, on va ouvrir la petite carte. Putain, c'est pas du tout ça. Voilà, j'ai voulu aller vite, mais finalement, je perds du temps. Donc, l'objectif le plus proche, c'est celui-là. Est-ce que je vais me régénérer life? Ça serait cool quand même, parce que là, c'est un peu critique pour moi. Allez, on y go. Oh putain, par contre, il y a... Oh, il y a un peu beaucoup de gardes par ici. Il suffit qu'on escalade, de toute façon. Oh là là. Ils nous repèrent même pas. Ah ouais, d'accord, ils m'ont repéré d'un coup. C'est même pas la question du... Tiens, mais je le reconnais, lui. Non, c'est direct. Allez, cette fois, on va envoyer 25 soldats qui te reconnaissent d'un coup. On se casse plus le cul, nous, hein, en fait. Voilà. Donc, c'est super. Je sais pas pourquoi ça, j'ai pas pu escalader, mais d'accord. Mais on va vous défoncer, hein. Mais en fait, je me suis fait repérer parce qu'il y a dû avoir une bataille qui a commencé quelque part. Parce que regardez, je me suis fait repérer encore par des mecs à trois bornes, quoi. Putain, ce jeu est vraiment foutu comme un cul. C'est n'importe quoi, là. Ah, toi, tu me fais chier, je te jure. Voilà. Allez, je vais te déloc et on va essayer d'escalader par là-bas. Au pire, tu me suis dans l'escalade. Tu meurs en tombant. On va pas perdre plus de temps, c'est en train de m'énerver. Putain, il faut... Sérieux, il dit où est-il passé? Mais voilà, alors c'est le coup du caillou, c'est pas grave, je me rattrape. Hop, hop, allez, dépêche-toi. Voilà, on y est. Hop, il se rattrape encore, on s'en fout. Allez, go. Voilà. Bon, donc je suis pas encore anonyme, on attend un petit peu. J'espère que ça sert à quelque chose d'attendre. Renoncer à la facilité au bien matériel, la rédemption passe par les flammes. Ok, donc encore le coup du on brûle les livres et les œuvres d'art. Eh bien, on va le calmer, le petit. On va lui apprendre que ça marche pas comme ça. Il faut que je fasse quoi, là? Alors, apparemment, ils veulent que je fasse un assassinat aérien. Un lance propulsé? C'est quoi, ça? Un saut propulsé, carrément. Ah, oui, bah oui. Comment est-ce qu'ils m'ont repéré, là, s'il vous plaît? Bon, je tente un assassinat à double aérien. Ça marche? Oh là là! Oh, j'ai fait une sorte de... J'ai commencé à faire une sorte de looping en l'air là pour aller chercher les gars. C'est n'importe quoi ce jeu, je suis choqué à vie. Putain, le chemin qu'il a fait en l'air, mon gars. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Le saut propulsé, je vois! Ah, ça marche bien! Hein. Franchement, ça a bien marché. J'ai fait R1 croix comme ils m'ont dit, mais non, il a fait quelque chose d'autre. Bon, de toute façon, au pire, apparemment, on s'en fout de se faire repérer, là, donc, écoute. Bah, on s'en fout, hein. On va aller le chercher, d'ailleurs, le gars. Il est où? Parce que lui, il m'a pas repéré, encore. Hop, hop, hop. Hop. Hop, et on va le tuer, ça sera réglé. Donc, il commence à fuir. Oh, ça a pas changé... carrément, il pousse ses gardes, le mec. Ah bah, putain, c'est bon, ça. Hein. Voilà, on perd pas de temps, poussez-vous. Ouais, alors, évite de mettre un deuxième coup d'épée, parce que là, c'est critique. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il fait des zigzags, il a cru me bait. Meurs. Oh! Oh putain, ça fait du bien quand c'est facile comme ça! Ah, ça va aller vite. Mais qu'ai-je fait? Tu ne savais pas ce que tu faisais. Je suis seul responsable de mes actes.
En doutant de moi, je l'ai laissé me contrôler. Je suis désolé. Pas autant que moi. Tout cela est bien triste. Mais je n'avais pas le choix. Requiesca in pace. Allez. Plus que deux. Et on y est, les copains. On va peut-être enfin y arriver. On est sur la dernière séquence. Ça, j'en suis quasiment sûr qu'on est sur la dernière séquence. Par contre, à ce qu'on m'avait dit, il allait avoir une intercation avec l'espagnol, donc le chef des Borgia. Mais on l'a pas encore vu. Donc c'est ça, je me dis, mais c'est tout de même un peu bizarre. On va voir, on va voir, on va voir. J'espère vraiment qu'il n'y a pas encore une séquence derrière tout ça, parce que putain, ça aura vraiment été de faire un jeu ultra long pour rien, quoi. Ah ouais, il y avait tellement de passages à sauter. Peuple de Florence, approchez, rassemblez-vous. Écoutez ce que j'ai à vous dire. La fin du monde est proche. Plus que jamais, c'est le moment de vous repentir. D'implorer le pardon du Seigneur. Ok. Donc lui aussi, il va y passer. J'ai le droit de me faire repérer ou... Alors, il y a toujours cette histoire de saut propulsé qui t'introduise à la fin du jeu. Hein. Ils t'introduisent un truc qui peut être stylé à la fin du jeu. Déjà que je n'ai pas réussi à réaliser, mais bon. Ah, bref, on va aller là, hop. Alors, est-ce que repérer, ça me fait perdre? On dirait pas, je crois qu'ils ont été gentils sur les derniers trucs. On va l'assassiner aériennement, même si c'était pas lui. Ah bah frère, on peut se faire repérer, putain, ça c'est bon, mais toi je ne veux pas. Bah j'ai perdu ma cible parce que j'ai attrapé un type au lieu de les bousculer, c'est génial. Allez, on recommence. Ah bah tiens, je tue un pauvre passant qui s'est dit moi je vais rester là, donc non, bah non. Non, tu meurs mon petit, moi je tue pas les gardes, je tutoie, voilà. Je te tutoie. Ah là là, quel jeu de mots. Puissance 3 millions, c'est magnifique. Donc toi déjà on t'assassine. Voilà, comme ça, ça s'est réglé. Après ça, hop là, on va là, tac, tac. Je crois que le mec il a pas commencé à fuir encore, tant mieux. Non, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Je veux tenter de t'assassiner. Hop, 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 tu ne fuiras pas mon gars. Tu es en robe en plus, c'est pas pratique, faut dire. Ah, 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 regardez, moi je vous bouscule, tac, 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 technique ancestrale d'esquive, technique deuxième ancestrale d'esquive, il est où? Tu vas mourir mon petit. Mais arrête de fuir mon dieu. Mais, oh, merde. Mais pourquoi vous faites pas bousculer par un peu place? Ah, bah tiens, lui, oh là là, mais c'est quoi ce débile qui fait le tour de tout le truc depuis tout à l'heure? Je dirais un gamin qui joue à chat, quoi. Ma parole, tu penses tout ce que tu as dit? Nous n'avons pas tous été manipulés. J'avais déjà la foi. J'avais déjà mes convictions. Tout ce que j'ai dit est vrai. Rien n'est vrai. J'agirais autrement si je le pouvais. Requiesca in pace. Ok, super, donc en avant, on se tire là. Et il nous en reste plus qu'un. Espérons pas de mission où. Ou si on se fait repérer, c'est la merde. Putain, mais vous. Qui c'est qui vous a mis, franchement, sur la piste qu'il fallait m'attraper et faire une position comme ça? Parce que putain, y a personne qui peut vous communiquer par téléphone ou je ne sais quoi. Donc non, on se calme. On me laisse passer tranquillement. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a des ennemis qui peuvent me rattraper, putain. En plus, je crois que j'ai un début d'otite là. Je sais, ça n'a rien à voir, mais je commence à souffrir en fait. Je souffre sérieusement. Ouais, et je pense que ça sera le seul épisode que je pourrais tourner de cette journée. Hein. Aïe aïe aïe, ça fait extrêmement mal. Bon, je pense. Un petit doliprane, ça fera l'affaire. Franchement, le doliprane, putain, c'est la vie, les amis, si vous connaissez pas encore ce truc. Oh là là, vous avez de la fièvre, vous avez mal quelque part. Doliprane, putain, c'est une drogue le truc. Laisse tomber. Tu prends ça, t'as plus mal, c'est assez assez puissant. Ok, d'accord, alors toi, tu cherches la merde. Non, par contre, en fait, ils sont tous en train de m'emmerder, là, dans ce cas-là. Oh là là, oh, mais putain, mais comment vous faites pour vous passer le mot? Vous avez pas de téléphone portable, putain.
Les mecs, ils t'attendent à l'autre bout du truc, genre limite ils se sont avertis et tout, mais non. Putain, regardez, depuis il y a 20 millions de gardes qui me courent là, mais... Oh, ok, ok, d'accord. Pas de problème, hein. Ah, fuck you. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette orgie de con? Et pourquoi t'as accroché comme un... Ok, je me suis envolé, ok. Ok, messieurs, mais les... je peux même plus partir. Putain, n'importe quoi, je vais vous recruter, vous. Allez, go, on les tabasse. Voilà, on les a pris dans un coin de rue, là. Je pense que c'était la meilleure solution, sérieusement. Allez, tabassez-les vite, là. Je vais t'attraper, je te tue. Je vais faire pareil, je te tue. D'accord, pourquoi tu l'as lancé? Il y a des moments, vraiment, il le lance, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai pu clairement sur carré pour le tuer, mais... Ah là! Donc il en reste plus qu'un seul à tuer. Ce qui est ma foi génial, je suis content. Espérons juste qu'il soit pas trop chiant. Putain, y a quand même eu aucune musique depuis le début de l'épisode, quoi. C'est terrible. C'est vraiment terrible, putain, la musique, c'est primordial. On peut pas vivre sans musique, quoi. Et un jeu vidéo sans musique, c'est comme mourir, en fait. Hein, voilà. Donc, attendez, bon, maintenant, il suffit plus qu'à se diriger vers ce truc directement. Hein. Pas besoin de le marquer sur une carte. Quoique le marquer, ça sert à savoir à quelle distance il est de nous. Je crois qu'on va faire ça quand même. Parce que sinon, on va vite s'ennuyer à pas savoir où se trouve le truc. Ça, il est pas si loin. Attendez, je vérifie un petit peu. C'est le dernier, hein. C'est bien le dernier, super. Putain, je suis tellement heureux, vous pouvez pas savoir à quel point. On a quand même passé, bah là on est sur le troisième épisode, tout de même sur ces assassinats de lieutenant. Ah c'est, waouh. Et trois épisodes c'est quand même 1h30, hein. Imaginez-vous chez vous, 1h30 à tuer juste 9 types comme ça là. Enfin, c'est quand même tuer 9 types d'ailleurs. Mais d'affilée sans qu'il y ait aucune avancée scénaristique. Toujours avec cette phrase à la fin là, il se passe tout le temps la même chose. J'ai l'impression que mon cerveau revit et revit la même scène tout le temps. Personne n'est autorisé à passer. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Tant que vous refuserez de vous soumettre à Savonarola, notre prophète, je ne laisserai personne franchir ce pont. Allez, on va le tuer. Je vous entends vous plaindre. Je pense que... Ouais, je pense que là, si je me fais repérer, je perds. C'est une sorte de zone interdite. Mais non, c'est un peu impossible, là. C'est un petit peu compliqué. Faut dire, il y a 25 millions de soldats. Si j'ai même pas le droit de me faire repérer, ça va être problématique. Ah, c'est bon, j'ai le droit. Fré, je suis content, j'ai le droit de me faire repérer, putain. Toi, déjà... Ah bah, tu meurs, c'est bon. Hop, hop, hop là mon gars. Putain, mais pourquoi j'ai aussi peu de vie en fait? Elle se régène plus ma vie. Bon alors là, il me voit combattre 4 soldats, il se dit peut-être que mes soldats vont gagner. Non, non, regarde-les bien mourir. Regarde-les surtout très bien mourir. Hop, toi déjà tu dis... Ok, je me suis pris une flèche juste au mauvais moment. Hop, hop, qu'est-ce que tu me veux toi? Ah mais il fait chier lui. Oh merde. D'accord, il se tape entre eux, super. Ok. Ah non, mais ce jeu est fantastique à ce niveau-là. Il se passe les plus grosses absurdités du monde. Je me prends des flèches, c'est génial. Alors, tu dégages. Toi, tu meurs à force d'esquiver. Attrape-toi! Enfin, accroche-toi plutôt. Attrape-toi, n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Non, non, c'est grave en fait. Comment je vais faire là? Mais arrêtez! Putain, je me prends un vieux coup de lance. En plus, ils ont une porte. Oh non, pas lui! Non! Non, non, zigzag, zigzag, zigzag. Hop, voilà, Gaze. Oh putain, 3 millions de soldats. Non, j'y arriverai. Allez, go. Je t'aurai, toi, je t'aurai. No, ninja. Spider-Man. Tac, tac, tac. Et tu meurs. Tu portes l'habit des nobles.
Comment Savonarola t'a-t-il envoûté? La richesse et le pouvoir n'apportent aucune satisfaction. Je voulais toujours plus. Et en définitive, tu n'as plus rien. Nécessité fait loi, il faut savoir l'accepter. Requiescat in pace. Et ben voilà, donc maintenant, ce qui va être cool, c'est que vous avez... Quoi? Quoi? Que? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai fait un truc à la Matrix de... Oh mon dieu! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus gros bug du jeu de... Wow! Oh mes yeux, ils sont tout retournés, j'ai pas compris. Je voulais juste sauter de la... De la terrasse. Et le mec, il a fait une sorte de bond arrière double assassinat. Oh, ce jeu! Oh là là! Mais qui a crypté ce truc? Mais qui l'a crypté? Putain, je suis choqué! Mais les mecs, les bêta-testeurs, où ils sont? Bêta-testeurs, où t'es? Où t'es, bêta-testeurs, où t'es? Non, parce que là, wow! Ah non, mais c'est pas croyable! Il s'est passé un truc! Oh là là! Putain, mais moi je vais regarder ma vidéo juste pour ça, j'ai pas compris, genre j'étais parti dans l'optique où j'allais quitter la terrasse, je suis revenu, j'ai fait double assassinat genre en mode soirière là. C'est ok. Ok, tout va bien. Ah là là. Donc 9 lieutenants sur 9 lieutenants tués. Par contre, ce qui me choque un petit peu, c'est que j'ai toujours ma vie comme ça. Ah bah voilà, attendez, on va essayer de se propulser, il faut faire quoi? Il faut sprinter sur le tremplin. Ah ouais, quel non-swag abusif, mais bon, si tu veux. Alors regardez, à chaque fois, ils disent que le coffre de la villa, il est plein, mais pourtant, ça continue à rentrer. Hein. Avant, c'était 8000 le plein, et là, c'est 11000. Je sais pas de quoi ça dépend. Mais de toute façon, ils nous ont jamais ramené à la villa, donc ce système de gérer la villa, ça sert strictement à rien. J'allais pas me casser le cul à refaire tout le chemin là-bas pour faire un peu de SimCity, comme je vous ai dit. Ça aurait pu être vraiment un système très sympa si... De base, l'histoire nous faisait retourner à la villa pour faire quelques missions, ou alors la villa se faisait attaquer, ou des trucs comme ça. Là, ça aurait été sacrément cool. Mais dans le côté où il faut retourner à la villa pour faire construire des vieux trucs là-bas, non, ça sert strictement à rien, non. D'ailleurs, j'ai pas fait le chemin, j'avais pas de temps à perdre. Moi, je suis juste là pour finir la mission et point barre. Allez, on continue. En plus, enfin, les voyages rapides, j'aime pas trop ce système. Il aurait vraiment fallu le faire directement comme dans Assassin's Creed 3. D'ailleurs, Assassin's Creed 3, il n'y avait même pas... Putain, je parle comme une merde. Hein. Il n'y a même pas eu d'introduction au voyage rapide, donc j'ai galéré pendant 30 ans sur le let's play. Mais il suffisait de faire start et aller dans une ville, c'est bon, hein, voyage rapide. C'est le meilleur. Bon travail, Ezio. Que va-t-il se passer? Regarde. Silence! J'exige le silence! Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous me déranger? Vous devriez purifier vos foyers! Purifier vos âmes! Il y a tant de péchés à nourrir, de prières à réciter, de péchés à confesser! Vous ferez ce que je vous ordonne! Vous vous soumettrez? Ah! Non! La pomme n'est sûrement pas loin, trouve-la! Ok, le gars qui sort de nulle part, qui avait attendu son temps. Allez, go! Oh, personne m'a vu, allez en avant! Non, mon gars! Mais cours! Cours! D'accord. Non, en fait, je te laisse 3 secondes d'avance. Comme ça, le joueur, il galère bien. Oh non, mais en plus, les autres, ils vont me lancer des cailloux. Ils vont me lancer des caillasses dans la gueule. Je t'aurai, toi. Attends, il faut que je prenne les couteaux de lancer. Ou alors ça, parce que ça tire quand même de très loin une fois que j'ai... Que j'ai focus le mec. J'arrive pas à le focus. Si. Cours, cours, cours. Continue à courir parce que là, j'ai pas le focus. Mais pourquoi tu tombes? Mais quel con, putain, ce focus, il est foutu. Mais comme de la merde. Tout ce jeu est foutu comme de la merde. Allez, 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 je t'aurai, toi, je t'aurai, je t'aurai, je t'aurai. Et voilà.
Allez, on va récupérer la pomme. Qui est où? Là-bas, c'est lui. Attrapez-le. Non mais alors toi, mais regardez, ma vie elle revient jamais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma vie elle revienne pas en fait? Je comprends pas hein. Je crois qu'il faut que je revienne, redevienne anonyme ou un truc dans le genre. Ça me paraît bizarre quand même. Ouais, attendez, je vais arracher une affiche parce que je comprends pas là. Ça commence à m'énerver de pas avoir de vie. Ah ouais, mais putain, il y a des gardes partout. Ah, laissez-moi partir. Mais c'est qui avec les chapeaux jaunes? Il y avait des chapeaux rouges, des chapeaux gris, et maintenant il y a des chapeaux jaunes. Pourquoi? C'est que ça veut dire c'est les mecs. C'est qui déjà? Mais c'est les mecs qui étaient avec moi, non? Ceux qui avaient les chapeaux jaunes avant. À l'ancienne, là, c'était l'ancienne Florence, ça, je crois. Mais vous, pourquoi vous êtes au courant? Je comprends pas, les mecs. Mais putain, merde, j'ai envie de pleurer, laissez-moi. Attends, si je meurs, il va falloir recommencer la mission encore, là. Ça commence vraiment à me péter les couilles. Vas-y, y'a pas une affiche, là? Elle est où, l'affiche? Elle est où? Allez, arrache-la. Boum, je deviens anonyme comme par magie, s'il vous plaît. Ça y est, regardez, j'ai une notoriété de 0%, arrêtez de me suivre. C'est fini, c'est fini. Allez, 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 j'en ai marre. Oh, putain, voilà, hop. Regardez-le, un vrai casse-cou. Tu te caches là-dedans, l'ami? Je vais t'aider, mon ami. Ah, putain. Bon, là, de toute façon, ils pourront plus me suivre, voilà. Comme ça, c'est réglé. Ma vie, s'ils me suivent, je pète un câble, parce que là, c'est pas possible, tu peux pas me suivre. Vous savez juste pas nager. Pourquoi? Ça fait ça. D'accord, j'ai l'impression que les joysticks sont inversés. D'accord, ils sont tous tombés à l'eau comme des merdes en essayant de me suivre. Putain, ils l'ont fait! J'y crois pas! Ils ont voulu descendre, ils sont tous tombés à l'eau? D'accord, bah ouais. Mais tout va bien. Allez, on y va. Et ma vie ne revient pas. Il y a un bug là. Et ma vie ne revient absolument pas. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, quand l'armure allait péter, ça affichait pas une sorte de petit carré rouge bizarre. Là, ma vie, elle est censée se régénérer depuis 30 ans là. Ou alors, je suis obligé de prendre des remèdes, mais il semblait que ça se régénérait avant. Vous n'avez pas le droit de traiter son prophète de la sorte. Vous êtes des impies, des hérétiques. Vous brûlerez tous en enfer. Vous m'entendez? En enfer! Seigneur et pitié, délivre-moi de l'emprise du mal. Accorde-moi la rémission de mes péchés. J'implore ta miséricorde infinie. Seigneur et pitié. Nul ne mérite de mourir dans de telles souffrances. Je suis accablé. Allez, laissez-moi passer. On va... Bah attends, il faut quoi? Il faut que je le focus? Il faut que je fasse quoi, là? Ça va passer, putain. On l'a fait plus souffrir qu'autre chose, là. On lui a mis dans la bouche. Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Tu l'as. Tu peux partir. Tu vas bientôt comparaître devant ton dieu. Requiescat in pace. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers,
qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre. Peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. Allez, pour pas être mauvaise foi, j'avoue que cette phrase de fin était très belle. Franchement, bravo. C'est pas mal. Mais bon, ça s'est fait attendre quand même, hein, une phrase comme ça. Avec un scénario aussi bidon et un jeu aussi bidon aussi, il faut dire. Avec des blagues salaces et tout, je ne m'attendais pas à ça. Donc je suis plus surpris que ça serait sorti d'un autre jeu en fait. Mais la phrase reste tout de même bien. Mais après, je pensais que vraiment que la séquence 13 était la dernière, mais non. Il y aura donc la séquence 14 qui certainement sera la fin avec la rencontre avec l'Espagnol. En tout cas, nous, on risque certainement de s'arrêter là, hein, juste la cinématique d'intro, et je pense qu'on sera bon. Aussi, quand le changement se terminera, ça peut être une bonne chose. Ah bah voilà. Effectivement. Donc bah voilà les amis, il va falloir trouver encore 14 pages du codex comme avait dit mon abonné. C'est donc la dernière séquence du jeu qui va se situer sur ça. C'est très malheureux parce que je suis obligé de le faire. J'y ai cru. Quoique, vous savez quoi, on va continuer un petit peu l'épisode. On va aller carrément à la villa. On va faire un épisode un peu plus long. Parce que là j'ai 16 pages sur 30. Du codex trouvé. On m'a dit il faut toutes les pages pour finir le jeu. Et bien moi je pense que ces 16 pages sont déjà un indice suffisant pour finir ce jeu. Je le pense. On va voir ce que ça donne. S'il nous oblige à avoir les 30, on sera obligé d'avoir les 30. Mais peut-être qu'avec 16, déjà, ça suffira. Parce que c'est vrai que aller chercher les 14 dans les 5 villes qu'il y a dans le jeu, voilà, hein. Oh, il y en a marre. Parce que vraiment, je sens que mon cerveau va imploser. Donc on va tester, on va voir, que je me fasse pas d'abord de mauvaises surprises à avoir récupéré 30 pages du codex, alors que finalement, il suffisait d'avoir que les 16. On va voir ce que ça donne, Espérons que ça soit bon. Allez, j'espère fortement. Qu'est-ce qui se passe là? Le flux de données est endommagé. Non, attends. En fait, ah il voilà, est incomplet. Donc il va falloir récupérer les 30. Ce sont les pages du codex. Apparemment, Ezio les avait toutes au moment de cette mémoire génétique. C'est ça. C'est super, les amis. Donc, bah voilà. Génial. Ça m'apprendra à pas faire confiance à mes abonnés. Bon, en même temps, franchement, de toute façon, j'avais pas la tête à récupérer les pages du codex en plus des missions chiantes. Sur lui. Il a dû mettre la main dessus pendant l'une des séquences endommagées. Apparemment, elle affiche l'emplacement de toutes les pages du codex manquantes. Et bah voilà, de toute façon, plus que les récupérer dans le jeu, on a une carte avec tous les emplacements. Donc on va faire ça. Enfin bref, dans tous les cas, je vais pas vous faire subir ce moment ultra chiant, parce qu'il est ultra chiant, on a récupéré 3 millions de pages du codex. Donc, je vais m'en charger. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va récupérer l'argent du coffre, et faire fructifier la ville un petit peu. Tu veux consulter le livre ? Comme ça au moins c'est fait, hein. Qu'on fasse un petit peu de SimCity pour une fois qu'on retourne à la villa. Donc coffre. Voilà, donc on a récupéré.
Et on va faire construire quelques petits trucs par architecte. Et en plus, on risque de gagner pas mal d'argent parce que le temps que je récupère les pages du codex restantes, il devrait y avoir de l'argent dans les coffres. Serezio, voulez-vous consulter les tarifs? Alors, qu'est-ce que je peux construire? Bah déjà, tout ce qui n'a pas été construit encore, là, ça, la maison de passe, voilà. Donc ça, c'est bon. C'est quoi, maison de passe, en fait? C'est club échangiste? Je sais pas ce que c'est. Mine, voilà. Ça, ça a l'air d'être très fructifiant, la mine, effectivement. La caserne, voilà. Et on va quand même faire construire une guilde des voleurs, même si je trouve ça complètement con, personnellement. Ça risque pas de faire grimper la valeur de la cité, même s'ils le disent, mais bon. S'ils veulent, on va mettre la guilde des voleurs. Enfin bref, bah, je crois qu'en fait on peut tout acheter. Hein. On va mettre le tailleur au max, voilà. Bah, je pense qu'on va pouvoir tout mettre au max. Hein. On aura The Villa Monteligioni. Donc le médecin rénové, encore du médecin. Voilà. Peut-être qu'il va me manquer un peu. C'est pas grave, on va mettre le marchand d'art maintenant. Voilà, oh mais je pense pas, hein. Je pense 40 000 ça devrait suffire. De toute façon, tout l'argent que je vais avoir ne me servira strictement plus à rien parce que j'ai le meilleur équipement déjà. Et même le meilleur équipement, il peut même pas être acheté, c'est la truc d'Altaïr. Donc à la limite, au bout d'un moment, on voit bien que l'argent ne sert plus à grand chose. Donc là, le forgeron. Ah non, c'est quoi ça? C'est la banque. C'est la banque. Là, le forgeron. Ah bah regardez, il va me manquer pile poil un truc. C'est moche. C'est très moche, voilà, il me manque 12 000. 12 000 pour... et j'aurais eu la villa complétée. D'ailleurs, je pense que ça m'aurait valu un beau trophée, ça. Voilà. Attendez, il y a Leonardo ici? Il va me servir à quoi? Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Pas facile. Une substitution numérique, une transposition linguistique. Un petit instant. C'est terminé. Donc deux pages du codex déchiffrées. D'accord, super. Donc enfin bref, bah les amis, nous on va cesser là, hein, sur cette vue de la Villa Monteligioni. Je vais pas vous faire, comme je l'ai dit, à subir ce moment des pages du codex. Je vais le faire moi-même, on récupère donc les 14 pages restantes. D'ailleurs, je pense pendant que cet épisode fasse son rendu. Voilà, voilà, et vous aurez donc la fin du jeu directement. Voilà, donc vous pouvez me remercier, hein, tout de même. Voilà, voilà. Parce que ça va être assez chiant, hein, ça risque de me prendre pas mal de temps, voire je pense une heure, ça va me prendre une heure. Enfin bref, putain je suis dégoûté. Non mais dans tous les cas je l'aurais pas fait, hein. Me faites pas genre t'as pas écouté ton abonné, t'es un gros enculé. Dans tous les cas, parce que en plus je l'ai cru, hein, faut pas déconner, j'avais cru quand même. J'avais vraiment de l'espoir, un faux espoir, mais je me suis dit au pire, voilà, à la fin du jeu, j'ai récupéré les pages du codex hors vidéo, parce que les pages du codex, c'est chiant. Voilà, il faut tuer 3 gardes pour récupérer une page du codex, et tu te fais poursuivre, et des conneries, et des bugs dans le jeu. Donc ben voilà, en tout cas, nous, on va cesser sur ça, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cet épisode, et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde, tchuss, et à la prochaine.